Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y en aura plus de branches d'olivier. Il ne changera jamais. Hey, Olivier, fais ça vite. Ce soir, on a du pain sur la branche. La planche. La planche. Comme dirait notre boss, place à la cinquantivité. Oui. À Montréal, le 31 décembre, est en train de décéder l'année 1970. Porteront la dépouille mortelle. Mesdames, Louise Latraverse, Françoise Lemieux, Louise Forestier, messieurs Denis Drouin et Olivier Dumont. Les toasts de l'oraison funèbre sont signés Gilles Richer et le cortège est dirigé par Jean Bissonnette. Parents et amis sont fortement priés d'y assister. Un frère à la presse, qu'être comme Ryan un faux frère au devant. Dis donc, Robert, est-ce que tu penses que tu vas gagner tes élections? Ben, si ton père me lâche pas, je suis sûr de gagner. Parce que il reste encore un mois avant le 29 avril. Ah ouais. Hey, papa, si t'es élu premier ministre, tu vas me trouver un job pour les vacances. Ben, hey, papa, viens te dire de mon ami qui travaille actuellement, papa. Ben, papa, y a Marc aussi, mon ami, qui revient. Ben oui, Robert, ça me fait penser. Arthur a téléphoné ce matin, puis Armand... Une minute, ça tient, arrêtez. Ça va m'en prendre 100 000 jobs. Non, tu sais, je viens de trouver mon slogan. Finissez votre soupe, les enfants. Pas pareil en couleur. Nous avons décidé de faire un film canadien avec le comte de Blanche-Neige. Acceptez-vous le rôle de Blanche-Neige? Oh, oui, j'accepte. Enfin, je vais pouvoir jouer un rôle propre. Non, pas si vite, pas si vite. Qu'est-ce que vous pensez que Blanche-Neige faisait à longueur de journée avec sept petits? Bye, bye, 70, bye, bye. Ciao, surtout ne reviens pas. On sort le bon Dieu des écoles et on entre le sexe. J'avais entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir. Des jeunes gens et des jeunes filles dans la même piscine. Et puis il paraît qu'ils sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais c'est pas vrai. Indubitablement, c'est au vrai le vrai. 30 minutes avant que ça finisse. 30 minutes moins 4, il en reste plus rien. 26. Avez-vous su que Paolo Noël a été nommé le meilleur acteur de cinéma canadien? Pas surprenant qu'on fasse rien des films de... d'émotion, de grosses déceptions. Bye, bye, 70, bye, bye. Ciao, salut, bonne soirée.
Mon nom est Thérèse Lemay. Je suis séquenciste. Mon nom est Claude Joron et je suis péquiste. Mon nom est Claire Kirkland Casgrain. Je suis ministre. Mon nom est Claude Wagner. Puis je suis un beau torvis. Et Louise, que je suis donc heureux. Pense-y donc, dans 25 minutes, l'année 1970, ça va être terminé. Tout ce que j'ai fait en 1970, je peux tout laisser ça en arrière. Chanceux, Denis. Voilà. Mon Dieu, que t'es donc chanceux. Je peux pas faire ça, moi. Pourquoi? Je suis obligée de finir en 71, ce que j'ai commencé en 70. Le mariage des prêtres. L'Église en parle beaucoup. Ne dites pas ça, sœur Mathilde. Je sais de sources sûres que dans 2 ans, ce sera chose faite. Et après une dure journée de labeur, tous les curés retourneront auprès de leurs épouses, comme tous les maris de la chrétienté. Oh, oh. Youhou! Maudite journée, va! Saudite journée. Oh, non. Ça, par exemple, je ne le prendrai pas. Oh, non. Ça, c'est mon voyage. Des grenouilles dans le bénitier, puis des péchés véniels. Oui, vous arrêtez de dire me confesser avec des petits péchés véniels. Oh, je le prendrai plus, c'est tout ça. C'est ma femme, non. Allez, allez, sommes une nuit au domicilio. Père, ouais. T'as pas le sort d'être en retard, hein? Comment je suis en retard? T'as pas eu la journée que j'ai eue, ma fille? Ah, oh, j'ai jamais vu ça, toi. La confesse est en ligne jusqu'à l'autre coin de rue. Pour ça, j'ai obligé de donner 2 dizaines de chapelets à petite Lucie et Gaston Gay. Seulement 2 dizaines après tout ce qu'elle a fait. La paroisse en parle. La paroisse en parle. Ça te regarde pas, ça? Puis comment c'est pas ça, hein? C'est moi qui donne les pénitences. Ça parle de ça. Oh, mais c'est ça, chum. Lui, par exemple, il se pointe dans mon confessionnal. Lui va payer pour les autres, pour garantie. Allô, qu'est-ce que t'as? Tais-toi, blanc, pour vous, revenez, toi. Hein? Allô? Oui? Bon, ben, dites 2 dizaines de chapelets. Si t'as vu de mourir, ben, j'attends le demain matin, c'est pas fait ça. Hein? Oh non, pas de. Ben, que tu l'as, j'ai dit. Voyons, cette affaire-là va finir comme ça, sourire. Mon Dieu, t'es donc ancien, Olivier, t'es donc ancien. Ancien. Oh, ancien. Hein? Tu pleureras quand ça t'apprend notre fille à fumer de l'encens. Mais les bêtes aujourd'hui dans le dictat, oui. Olivier. Olivier. Quoi? Hey, Non, jamais. Pendant le carême, tu le sais. Olivier. Une semaine. Écoute. Hey, Olivier, aujourd'hui, on a la chance de notre vie. Ouais. Oui? Qu'est-ce que tu dirais de devenir directeur du sanctuaire de Saint-Éphrem? Ben, ça, de Saint-Éphrem? Saint-Éphrem, pas la grosse paroisse? Avec des souvenirs? Oui. Des miracles? Oui. La grosse patente? Oui! Imagine-tu qu'on tripe notre revenu rien que d'un seul coup! Non, tu voyons donc, c'est pas trop une trop business, grosse business pour moi, ça va y aller. Fini les quêtes de 143 pièces, Olivier. Avec Saint-Éphrem, ça va aller chercher dans les 12 à 13, 1400 $ par semaine. C'est pas sérieux? C'est sérieux? 1400 $ monsieur! Oh non! Ah, voyons donc, tu sais pas qu'on l'attrape jamais, ça. Mais oui, tu vas l'avoir. Ne faut pas. Hey, écoute, j'ai invité l'évêque Denis Bernard et sa femme à souper. Et t'as pas été à visiter quand l'évêque lui pour rien, hein? J'ai déjà commencé à leur en parler. D'ailleurs. Denis-tu? Oui, ils sont en train de visiter la maison. Ah, cher Denis, va dormir nos soubiscos, mais qu'on se fait tout. Tu finis par la terre, tu viens du boulot. Hey, tiens, Olivier, je t'ai acheté un beau clergyman. Va te changer, OK? Moi, clergyman? Jamais. Mon Dieu, que t'es donc ancien. C'est pour ça que tes affaires marchent pas dans la vie, hein? T'es toujours poigné dans les vieilles affaires. Penses-tu que l'évêque va nommer Kitten en charge sacrée? Kitten? Bon, tiens, va te changer, ça va être correct, OK? Bon. Cher Denis, donc, mais non, je m'en fiche comme ça. Vous avez fait le tour?
C'est mignon. Cela te rappelle notre premier fini. Denis est encore diable. Oh, mon Dieu, que c'est loin, tout ça. Assoyez-vous. Olivier se joint à nous dans quelques instants. Ah, bon. Il est allé préparer les hors d'œuvre. Olivier, ça vient, les hors d'œuvre. Comment? Tu es obligé de préparer les hors d'œuvre pour pas longtemps? Affaire, Olivier. Toujours aussi jeune, aussi gay, aussi à la mode. Avec Olivier, vous auriez un prêtre d'avant-garde pour votre sanctuaire. Ah, au contraire, non, pour le sanctuaire Saint-Éphrem, ça me prend plutôt un prêtre de la vieille école. Ah non, Denis, non, je vous dis. Mais oui, mais 96 boutons, c'est... Pas de question, merci. C'est bien, toi, ça, Denis, tu veux toujours revenir aux anciennes affaires. Mais voyons, il te faut un prêtre moderne. Ah bien, y penser, ma femme, je crois que tu as raison. Ah non, Denis, non, non, non. Écoute, allez. Mais c'est fait, je vais répondre, j'ai laissé mon numéro. Allô? Où c'est qui était, là, quand on avait inventé le zipper? C'était mon secrétaire. Le pape fait dire d'y aller doucement avec la modernisation. Allô, mais simplement, les évêques canadiens disent qu'il faut savoir interpréter la pensée du pape. Olivier! Olivier, viens montrer ton beau clergé, madame Monseigneur! Mais le pape est quand même le chef. Mais les évêques canadiens doivent peut-être entendre. D'autre part, oh, cependant, bref, Olivier, je pense que tu es le gars tout trouvé pour le sanctuaire de Saint-Éphrem. Acceptes-tu? Ben, c'est pas moi. C'est... Il accepte, il accepte. Oui, j'accepte? Oui, j'accepte. Ben, oh, la grosse paroisse? Oui, oui, oui. Saint-Éphrem? Oui. Mais félicitations. Merci. Puis, bonjour. Mais c'est moi, ça, tu es d'accord. Voilà, mais c'est un petit détail, Olivier. C'est que le Vatican vient d'annoncer que Saint-Éphrem n'a jamais existé. Good! Adieu. Alors, non, plus de médailles, plus de souvenirs, plus de restaurants. Non, il s'agit simplement pour toi de transformer le sanctuaire en monastère. En monnaie qui? Stade. Tu mets pas de médaille? Non. Souvenir? Restaurant? Non, non. Hot dog? Non, non. Miracle? Non, non, non. Non. Mais non. Il y a qu'une. Question. Oh, ben, écoute donc. Non. Après tout. Ma femme puis moi, on va les retrouver de Cardinal Léger en Afrique. C'est pour bientôt les grèves du cerveau. Oui, nous avons même une liste d'attente. Jean Marchand, Manolisco, Jean-Jacques Bertrand. Si jamais Réal Caouette se présente, faites-le passer le premier, s'il vous plaît. Hein? Olivier, quoi? C'est-tu la dernière? Non. Ils ont greffé le cœur d'un père de 12 enfants sur Henri Norbert. Bibi, Henri se porte bien? Il est en train de devenir fou, il ne sait plus de quel bord aller. Olivier, c'est-tu à Damien? Non. Ils ont greffé les seins de Mme Godet-Smith sur Twiggy. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Ben, Twiggy marche à quatre pattes. Hé, hey, Olivier! Quoi? Es-tu courant de la dernière? Non. Ben, ils ont greffé une cervelle d'oiseau sur le corps de Juliette Huot. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Les paillettes. Oliver! Thibault, Louis! Es-tu au courant de la dernière? Non. Ils ont greffé une cervelle d'oiseau sur le corps de Réal Giguère. Puis qu'est-ce que ça a donné? Réal Giguère! Denis! Oui? C'est-tu dans la dernière? Non. Ni moi non plus, hein? Ben, fallait que ça finisse en quelque part, hein? Allô? Allô, chef? Oui, ici, caporal Olivier. Oui, je suis toujours à Westmont. Oui, devant la maison de M. Thompson. Oui, chef. Dis-donc, chef, il est minuit moins cinq, là, à minuit, pourriez-vous appeler ma femme et lui souhaiter la bonne année, s'il vous plaît? Et au petit aussi, hein? Merci, chef. Merci.
Oh, it's snowing, eh? It's a whoop. in May, eh? Come back inside. No, cold. No, you go back inside. Yeah. I want to chat with him. With him? Yeah. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la nouillée. Non, mais... Pour la nouvelle année? Yeah, that's my boy. Merci, M. Thompson. Oui, c'est nous, Hubert. What? Chef. Oh, yes, you better shut it out. Hey? You better shut it out. Louis. Shut it out. Right. Go for our yammers, buddy. Oh, hey, full of snow. Thank you. Thank you. Got some ice from snowing to it, then. Eh? You. Oh, that's good stuff. It's from Scotland. Yeah. Merci beaucoup. Bienvenue. Et que c'est donc beau la nuit de la journée. Il y a tellement de fun partout, hein? Oui, vous avez raison. Il y a de fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, I just never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Ben, juste en bas, là. En bas, là. Regardez direct en bas. Oh, là. Où, là? Oh, yes, right down there. Ouais, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, là? C'est un coin noir, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Oh, avec la glace, puis tout. La chute, c'est l'affaire. Je suis trompé de trou. Good, good, good. Ouais, c'est Harry. C'est Harry, yeah. Oh, ouais, un petit verre à la salle de Westmont. Westmont. Forgot Westmont. Forgot. Thank you. Yeah, you're welcome. Orialis. Countryville. Countryville. That's it. Ah, mon Dieu, Seigneur, que j'aime donc la c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home chez nous. Oui. Oh, un petit verre là. À la santé de votre province, M. Sure, Thompson. Sure, certainly, certainly. Now, where are we going? La dernière est à haute. Oh, Dave, what's that? Fire. No. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi. J'espère que l'année 71... Ça va être une bonne année pour vous. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. Eh? Okay, go ahead. Go ahead. No, wait one minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe là, vous allez tomber vous aussi. Vous l'avez su cette année, les hommes, hein? C'est cette année que vous l'avez su, hein, pour la passer. Cette année, vous l'avez su, hein? Ou ma féministe, vous ne l'avez pas envoyé dire, hein? Dorénavant, les femmes vont faire tous les jobs des hommes.
est là, il veut vous voir. Robert, mon petit, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Je demeure votre distingué serviteur. Et... Allô, chérie. Bonjour, mon amour. C'est pas tout, hein? C'est donc pas tout. Pour les sorties, là, on va mener autant que les hommes. Hello, George. Comment ça va, man? Oh, ben, tu travailles au bureau. Ça marche-tu toujours ce soir? Ah, good. Ah, dis donc, t'aimes-tu mieux des fleurs ou du chocolat? Tu danses très, très bien, George. Merci. Oh, à propos, restes-tu toujours chez tes parents ou t'habites en appartement? Mais où m'amènes-tu? C'est pas par là que je reste. C'est une panne d'essence. Oh non! T'inquiète pas, George. Je vais t'aider à payer la moitié des dépenses. Je peux pas retenir les journalistes indéfiniment. Why, certainly, my little chicken. Little Pauline. Yes, je disais que moi, en 70, je suis parti trois fois. Trois fois? Yes, three times, yes. Une fois pour le municipal, une fois pour le provincial, et... La troisième. Oh, ben, tout le monde sait que je suis toujours un peu parti, Pardon, mais nos femmes adorent picoter. Oh. Oh. On lave le petit japonais, très très indigné. On lave le petit japonais. Très, très enragé. Oh, on lave le petit japonais très, très choqué. Choqué! Mais pourquoi? On lave le petit japonais en maudit d'avoir manqué Expo 67. Bye, bye, 70, bye, bye. 4 minutes et tu vas sauter. Bye, mon Séraphin, ta belle histoire. Bye, mon clé basile, tous ces mémoires. Bye, mon chapelet, à tous les soirs. Ça serait-il qu'il y a des athées? Assez, assez. Les couche-tards aussi sont disparus. Mais Jacques Normand est toujours avec nous, le même jour, à la même heure, avec Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi vous me criez des noms? J'ai rien fait, moi. Bye, bye, 70, bye, bye. 3
Alouettes sont partis pour la gloire. Les Canadiens aussi, partis pour la victoire. Pour les finales, pour le grand jour, qui est parti tout court. Dis donc, Jean Béliveau, comment se fait-il que les Canadiens ont terminé la saison en cinquième position? Ben, je ne sais pas, ça a été une saison comme d'habitude. D'abord, je me levais tous les matins bien au chaud, grâce à mon système de chauffage confortable et sûr. Et puis, je partais pour le forum dans mon auto imbattable à des prix économiques. Et puis, en passant, j'arrêtais prendre John Ferguson et Jacques Laperrière, que je sortais de leurs draps en fleurs. Et puis, nous arrêtions prendre Cournoyer, qui finissait de se peigner avec ce qui n'est pas de la graisse. Et nous arrêtions à mon bureau pour que je puisse causer avec mon agent d'assurance vie. Mais, Jean Béliveau, est-ce que c'est possible que ce soit les commerciaux qui aient nuit à votre rendement? Quels commerciaux? Il y a ceux qui partent, 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 ceux qui partent, qui reviennent, qui caracolent. Les barques embarquent, c'est le tombeau de la boussole. Je suis revenu. On est revenu. Je suis revenu. J'ai essayé de revenir. De couches, s'il vous plaît. Let's go. Let's go.
Mise en scène, j'ai été bonne. Non, c'est grâce à ton talent. Merci beaucoup. Hein, y a quelqu'un qui dit c'est moi. Bon, maintenant, tout le monde en place pour la scène de lit numéro 9. Claquette, s'il vous plaît. Phil, mon amour, je t'aime nu, scène 9. Bon, on sait qu'il est pas sur notre vedette masculine encore. Olivier! Olivier, hein? Olivier, hein? C'est déjà mon tour? Olivier, Olivier, veux-tu venir ici? Denis, oui. J'ai peur. Non. Je suis gêné. Olivier, voyons, une petite scène d'amour, ça va m'attirer par ça. Denis, je suis pas capable. Olivier, veux-tu venir ici? J'espère que t'es déshabillé au moins. Hein? C'est pas ça de discuter. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai gardé mes bas. Denis, j'ai jamais fait ça. Ben oui, ton âge, il t'a pas fait ça. Louise? Oh, mon Dieu. Hey, où est-elle, Louise? Denis, oui. J'ai lu la scène et puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais fait de ma vie. Même pas dans mes rêves. Tu vois que c'est pas difficile, voyons. Oh. Assez de talent. Oh. Mais c'est pas le talent qui manque. Ben, qu'est-ce que c'est? Louise, mais où est Louise? Pas de cause à faire. Laisse-moi tranquille. Louise, ah, bon. Mais t'es pas encore déshabillé. Ah, je vais y aller. Non, reste ici, on n'a pas de temps à perdre. Correct, mais déshabille-toi ici. Tout le monde dort. Louise, déshabille-toi ici, avant de déshabiller. Mais veux-tu m'arrêter ça? Oui, mais c'est pas... Décide-toi, Décide-toi, Rapproche-toi d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien. Oui, oui, oui. 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 O
Bon, maintenant, là, la caméra. Hey, une minute, Olivier. Wow! Oh, des moteurs, Olivier! Calme-toi, pas si vite, Olivier, on est pas prêts, nous autres. Énorme! J'essaye d'enlever ma robe de chambre. Ça, Seigneur. Bon, enlève-la, ta robe de chambre. Oui. On y aille. OK. Bon. OK, ça va, là? Oui. Bon. J'ai trouvé une note. Filme, mon amour, je t'aime nu, c'est neuf. Ah, qu'est-ce que je fais? Caméra. Ça roule? Bon. Action. Hein? Action. J'ai dit action, Olivier. Olivier, voyons donc, Olivier, t'es capable, Olivier. Baisse la main, Olivier. Non, 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 la main, la main. Baisse la main. Bon, c'est ça. Denis, oui, Denis. J'ai pas appris ça au conservatoire. Oui, mais non, la peinture, là. Hein? Oui, arrête de rouler, puis branche-toi. Olivier, mets la jambe gauche par-dessus. Non, non, l'autre gauche, Olivier. Olivier, t'es tout mélangé, tu te trompes de scène, Olivier. Mais c'est pas ce bout-là, c'est l'autre bout. Oh, excuse-moi. Ben oui. Ah oui. Ah. Vas-y, vas-y, Olivier, vas-y. La hanche, Olivier. La hanche. Non, non, pas ça, j'ai dit la hanche. La hanche. Ben oui, mais c'est en travaillant qu'on apprend. Continue. Ah, ça va pas mal. Des becs, là. Des becs. Des becs. Bécote-la, mon Dieu, bécote-la. Non. Énerve-toi pas, Olivier. Olivier, pas si vite, Olivier. Olivier, tu te feras pas jusqu'au bout. C'est au moins une minute et demie. Tranquillement, Olivier. Bon, là, non. Là, tu le calmes, puis bon, c'est ça. Là, t'as le bon rythme. Bon, c'est plus. Ah, c'est terminé. Hein? Mais c'est terminé, Olivier. On va prendre un retake. Non. Un retake? Oui. Non, pas de retake. Pour l'éclairage? Non, l'éclairage. Les caméras? C'est parfait. Oh, non. Ah, on va prendre un retake. Elle m'est plus capable de parler. Non, pas de retake, Olivier. Il faut que tu te poses. C'est pour ça? Non, Olivier. Non, reste ici. Il faut que tu te poses pour les autres scènes. J'en donne pas, moi. Tu descends en jeune femme. Ben oui, mais pose-toi. Non, viens ici. Viens ici. Non, viens ici! Tu vas travailler! Calme-toi! Seigneur, tout le monde en place! Va-t'en pas! Reste là! Tout le monde en place pour la scène d'amour entre Olivier et attendons qui, là? Jean-Paul! Dans quelques instants, le week-end de nos 50 ans se poursuit avec Jacques Boulanger, qui accueille Jean Duceppe à Superstar.